Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu qui est auto-publié. Un jeu sur le thème des fleurs qui arrive dans ce joli pochon. Donc quand vous ouvrez le pochon, vous retrouvez à l'intérieur le jeu et un livret. Voilà. C'est La Sagesse des Fleurs qui a été réalisée par Lana Shine. On a les illustrations de Nogara. Et donc on a un petit livret comme ceci qui arrive avec, qui vous parle. On a toute une partie présentation avec la description bien sûr de l'oracle. Des tirages qui vous sont proposés, 3, 9 et 7 cartes. Un petit mot de l'auteur de l'illustratrice, ensuite vous arrivez tout de suite sur le message des cartes. Hop, je vous montre comment sont présentées les cartes. Voilà, donc vous avez ici le nom de la carte, le jardin des fleurs, une partie de l'illustration. Surprise, cadeau et protection, ce sont les trois mots-clés de la carte. Un petit texte, je vais vous le lire hein, du coup. Soyez mes fleurs belles, encore cette année, montrez à mon jardin que vous êtes les reines. Et c'est un extrait de Jacques Malandrini. Ce jardin de fleurs est là pour vous offrir un cadeau. Ces variétés de fleurs et de senteurs vous amèneront des surprises diverses et variées. La vie est là pour vous gâter. Faites-vous confiance, fermez les yeux, respirez et n'oubliez jamais que vous êtes aimé et que vous méritez tout ce qu'il y a de mieux pour vous et vos proches. La vie vous réserve toujours des surprises. Donc on a surprise, cadeau et protection pour la seconde carte qui est celle-ci. Je vous la mets en grand. Voilà, jardin de fleurs. Donc on a un petit texte comme ça qui est assez frais, assez léger en fait pour chaque carte. Alors je vais vous montrer les cartes. Ce sont des cartes qui sont de bonne qualité, vernis brillant. Elles sont très souples donc vous pouvez, elles vont moins s'abîmer. Donc ça c'est chouette, vous voyez, vous pouvez les battre même en shuffle si vous le souhaitez. On a la rose infinie. Le jardin de fleurs, donc c'est la carte dont je viens de vous lire l'extrait. Ah, je vous montre le dos également. Voilà, on a un trèfle. Alors, bouquet de printemps. Et je trouve que ce jeu, en fait, il est très très coloré. Et pour le coup, je le trouve très adapté au printemps et à l'été. Les pivoines. Les jonquilles. Les primes vertes. Des fois, on a des jeux sur le thème des plantes qui sont un peu sur papier parchemin, vous voyez, vieilles illustrations ou un peu botaniques, que je trouve très très beau hein, aussi. J'aime beaucoup aussi ce style. Mais là, on est dans quelque chose de complètement différent et ça fait du bien aussi, toute cette gaieté, cette fraîcheur. Voilà. Les dahlias. Les campanules, j'adore les campanules. Ça fait partie de mes fleurs préférées. J'aime beaucoup les hortensias aussi. Tiens, ça m'intéresse. Et vous, quelles sont vos fleurs préférées? La lavande, qui est une belle fleur de protection. La menthe. Donc si ça vous dit de me partager ça en dessous, en barre d'infos, quelles sont vos fleurs préférées? Les jacinthes, la pensée, le trèfle rouge, les pétunias, les œillets, les iris, le géranium, les géraniums, immortelles, magnolia, les boutons d'or. Les boutons d'or, il y en avait dans le jardin de ma maman et j'adorais ça quand on les voyait fleurir. Le mimosa, même le nom, je le trouve très beau, bouton d'or. Nénuphar. Le personnage. Le liseron. Le muguet. Jasmin blanc.
Et les violettes, on en a beaucoup de violettes à Toulouse. Et d'ailleurs, elles sont en train de fleurir en ce moment. Voilà donc 45 cartes pour cet oracle sur le thème des plantes. Allez, on va se tirer une carte pour notre journée. Un message pour vous, pour votre journée. Nous avons les pissenlits sauvages, c'est la carte numéro 11. Alors, les pissenlits sauvages, vous avez le changement, le renouveau, se libérer du passé. Tout près de Paris, à vos pieds, promeneur, cette rosace délicate, c'est le jeune pissenlit, et cette perle à son centre, c'est sa future fleur. Extrait de Belle saison de Colette. Le passé est révolu, le présent vous invite à vivre le moment présent sans préjugés, sans peur, sans l'auto-saboter. Le changement, le renouveau, libérez-vous. Laissez le vent emporter vos vieilles peurs, le voile du passé est levé. Pour vous, un nouveau jour se lève. Les temps changent, il est grand temps de passer à autre chose, de tourner la page. Au niveau des vertus thérapeutiques, les feuilles sont toniques et stimulent le foie. Ils jouent un rôle dépuratif de la vésicule biliaire en prévention des calculs urinaires contre la cellulite et le cholestérol. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ce jeu vous aura plu. Je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye et prenez bien soin de vous.